bêtise. Oui. Le premier chien à aller dans l'espace, les amis. C'est le premier chien à aller dans l'espace. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les animaux. Les animaux terrestres, les animaux marins, même les animaux qui peuvent aller dans l'espace. Mais lui... Bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, on est actuellement avec Franklin et on est parti pour une petite vidéo de test et de vérification. On va utiliser Shop pour pouvoir tout simplement l'emmener dans l'espace. Déjà, on va voir s'il est possible de l'emmener dans l'espace en l'emmenant directement jusqu'à la base spatiale, etc. Si jamais bah, il n'est pas possible, bah, le test s'arrêtera là. Si jamais j'arrive à trouver le moyen de pouvoir le faire monter dans l'espace jusqu'à l'infini, eh ben, on ira sur la Lune. Et là, je le déposerai sur la Lune et je lui demanderai tout simplement de rentrer à la maison. C'est-à-dire que Shop va parcourir Lune, Terre, Lune, Lune, Los Santos pour rentrer à San Ige. Voilà, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ce test va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Si on pouvait atteindre la barre des 1000 likes sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais que vous en êtes capable, donc bah voilà, faites-le tout simplement. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous abonnez à ma chaîne. Si vous avez des tests avec Shop, vous me le dites dans l'espace commentaire, ça passe crème et moi je les réalise dans moins de 24 heures. Bref, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé Shop, ça va me faire plaisir de l'utiliser. Hop là, voilà, c'est fait. Alors, on est parti, hop, Shop, hop, Shop, 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 attends, what, Shop, viens, what the fuck, oh, vas-y, Shop, viens, on va promener, allez, viens, Shop, allez, viens, 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 on va promener, viens avec papa, on va promener, hop, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire spawn une voiture, hop, hop, on va se prendre la petite voiture qui vient en premier, voilà, Shop, viens à la maison, viens dans la tour, là, Shop, hop. Ok, donc Shop est bien là. On va faire juste un test. Voilà, Shop peut descendre. Si je descends, si je remonte, Shop remonte. Voilà, il n'y a pas de bug. Tout se passe vraiment très très bien. Shop fait des trucs bizarres, mais c'est bon. Voilà, c'est juste des petits tests de vérification pour voir s'il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement sur la base spatiale. Si jamais les missions sont disponibles sur la Lune, ça serait très drôle de voir si Shop va pouvoir me défendre ou si Shop va attaquer des aliens. En tout cas, je sais pas comment ça va se dérouler, mais ça risque d'être assez fun. Nous voilà actuellement sur la base spatiale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer bien devant. Hop là, on va faire entrer. Hop là, donc là, je suis directement dans la base spatiale. Est-ce que Shop est avec... Oh non ! Oh non ! Oh la déception ! Oh non ! Oh mais non, regardez, le pauvre ! Là, il est en train de se dire dans son regard : mais pourquoi, papa, tu m'abandonnes ? Tu vas dans l'espace et tu m'abandonnes ! Shop est actuellement comme ça avec Franklin. Il est en train de lui dire: mais papa, pourquoi tu m'abandonnes? Je suis triste avec ma langue qui pend. Emmène-moi, papa, s'il te plaît. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais le faire freeze. Je vais pas le rendre dynamique comme ça. On va vérifier 2-3 petites choses déjà. Est-ce que Franklin est dedans? Déjà, première chose, est-ce que Franklin est dedans? Ok, donc là c'est un personnage, est-ce que c'est vraiment... Ah, what? What? Il m'a fait flipper lui. C'est pas Franklin, ok. Donc première nouvelle, c'est que l'agent spatial qu'il y a dans la toutour, dans la fusée, ce n'est pas Franklin. Donc ça c'est quelque chose d'assez important quand même, c'est à savoir, c'est que c'est pas Franklin à l'intérieur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de modèle. Hop là, je vais prendre Franklin parce que, à mon avis, je pense que ça doit être important d'avoir Franklin pour Shop, hein, parce que sinon il va pas se sentir bien. Hop là, Franklin. Ok, donc là, nous avons bien Franklin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu que Shop ne peut pas directement aller dans la fusée pour aller directement dans l'espace, on va lui obliger à rentrer dans la fusée. On va lui obliger de cette manière-là, attach something left. Voilà. Normalement, Shop est dans la fusée, si je dis pas de bêtises. Oui. Le premier chien à aller dans l'espace, les amis. C'est le premier chien à aller dans l'espace. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les animaux. Les animaux terrestres, les animaux marins, même les animaux qui peuvent aller dans l'espace. Mais lui, c'est le premier à aller dans l'espace. Alors c'est parti, j'espère que ça va pas freeze, j'espère que ça va pas planter, j'espère qu'il va pas se passer quelque chose. Mais en tout cas, nous avons notre chien, le premier chien à aller dans l'espace.
de GTA V et dans l'espace tout court, puisqu'aucun animal n'a réussi à aller dans l'espace en IRL, enfin je crois. Enfin, je suis pas sûr de ce que j'affirme. Mais ce qui est sûr, c'est que Chop est le premier chien à aller dans l'espace. Peut-être qu'on pourra faire des courses d'animaux sur la Lune. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. N'hésitez vraiment pas à me le faire part dans l'espace commentaire. Des courses d'animaux sur la Lune, ça pourrait être assez drôle. Assez funny. Je mettrai un commentaire dans les commentaires. Et vous aurez tout simplement à liker le commentaire si vous voulez que je fasse des petites courses d'animaux, des courses de PNJ sur la Lune. Je sais pas du tout si la gravité sera activée ou pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça risque d'être assez drôle. Par contre, là, vu que Franklin n'a pas de scaphandre, n'a pas de combinaison, comment va-t-il respirer dans l'espace? Très très bonne question. Je ne sais pas comment il va respirer dans l'espace, ça risque d'être drôle. Mais bon, vu que GTA V ne comporte pas forcément d'espace, ça va pas porter beaucoup de problèmes à mon avis. Mais en tout cas, pour l'instant, nous avons Chop et nous venons d'arriver dans l'espace. Et oui, les amis, nous sommes dans l'espace, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bug. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre, un grand tonnerre d'applaudissements, puisque Chop est le premier chien à aller dans l'espace. Le premier animal, en général, à aller dans l'espace. Attends, il faut qu'on trouve la Lune. Vu que maintenant, on y est. La Lune, where is Loon? Là-bas, nous avons Mars. Elle est où la Lune? La Lune, moi, je veux. Ah, elle est là-haut, la Lune. Ok. Attendez, la Lune, elle est là-haut. Hop là. Where, la Lune, nous arrivons. Attendez, je veux juste tester un truc pour voir si je saute dans l'espace. Est-ce que Chop va venir? Mais moi... What the fuck? Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié que Chop était accroché à moi. Oh, mais non, mais regardez-moi ce Beans. Chop est le premier chien à aller dans l'espace. Mais c'est aussi le premier à y avoir mouru. C'est le premier mort. L'animal le premier qui n'a pas survécu à l'espace. Bref. Planes, on va prendre le H1Z1. Chop est toujours avec moi. Hop là. Oh. Oula, je pense que c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Il faudrait que je prenne un autre avion. Le UFO, tiens. Bah voilà. Voilà, on va prendre un vaisseau alien pour aller dans l'espace. C'est beaucoup mieux. Beaucoup plus sympa quand même. Hop là. Est-ce que Chop est encore avec nous? Oui, Chop est avec nous. On voit sa très très belle langue. Oh, j'avais pas vu. Oh, mais on peut tirer. Excellent. Oh, excellent. Regardez, on peut tirer dans l'espace. Oh, mais c'est magnifique tout ça. En plus, le vaisseau, il va super vite. J'ai même pas besoin de mettre le pouce parce qu'il va déjà très très vite. Oh, mais excellent. Attendez, on va se rendre sur la Lune. Je sais pas du tout si la mission qu'il y a sur la Lune de base est faite avec Franklin, puisque je sais que je l'ai faite avec Michael et je l'ai pas faite avec Franklin. Alors, je sais pas du tout si elle y sera. Si jamais elle y est, tant mieux. Mais on va voir si Chop va nous défendre. Si jamais elle y est pas, bah tant pis. C'est pas grave, on aura au moins Chop qui sera avec nous. C'est déjà la priorité. C'est déjà quelque chose de très très bien. En espérant qu'on puisse lui demander de rentrer à la maison. Parce que comme Franklin a des spoons mais que Chop est resté, déjà c'est quelque chose d'assez particulier. Puisque normalement, Chop doit rentrer à la maison ou disparaître une fois qu'on contrôle un autre personnage. Ce qui n'était pas forcément le cas actuellement. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a des sortes de traînées qui font du Gangnam Style là. What the fuck? Ok, donc nous voilà sur la Lune. Oh là là, c'est magnifique. On va se poser tout en délicatesse. Le vaisseau alien est vraiment trop bien fait. Il est vraiment très très joli. Hop. Regardez, on va se poser tranquillement. C'est un petit peu un Ulucoupter en fait. Hop. Hop. On se pose tranquillement, posément. Bah écoutez, bah les couilles. On saute directement. On en a rien à foutre nous. Voilà. Avec Chop qui doit pas comprendre ce qui se passe actuellement. Hop. C'est bon. Oh, putain, mais c'est vachement haut, hein. Je m'attendais pas à ce que la distance était aussi haute. Bref, maintenant que nous sommes actuellement here, nous sommes actuellement sur la Lune, Chop, on va le rendre dynamique, attachement, et on va le détacher. Hop là. Est-ce que c'est toujours l'ami à Franklin? Oh non! Oh mais non, mais tout ce chemin parcouru pour rien. Je peux pas, il est considéré comme inexistant en fait. C'est assez particulier, c'est what the fuck même.
Je peux pas le contrôler, je peux rien lui demander, est-ce que je peux lui tirer dessus? À mon avis, je pense que oui. Ouais, regardez, je peux lui tirer dessus, je peux le tuer. Normalement, il me semble qu'on n'a pas la possibilité de le faire une fois qu'on est à Los Santos. Oh, mais non, mais la loose! Oh. J'aurais bien voulu lui demander de rentrer à la maison, mais c'est pas possible. Non, bah écoutez, moi j'ai répondu à la question que vous vous posiez sûrement, c'est est-ce qu'il était possible d'emmener Shock dans l'espace? Théoriquement parlant, il est impossible, en rajoutant quelques modes. Bien évidemment que oui, puisque j'ai réussi à l'attacher directement à mon personnage. Mais une fois dans l'espace, il est inoffensif, il est inutile, on va dire, puisque regardez bien, je peux pas lui demander de faire quelque chose, il ne m'attaque pas puisque je l'ai attaqué, etc. Mais bon, c'est pas très grave. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez vraiment pas à me le faire part dans l'espace commentaire, un petit like, un petit partage, et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.